que la mise en place de l'Institut des sciences de sport. Ma profonde gratitude va aussi à M. le Wali de la région et Grand Casablanca Stat, même s'il n'est pas présent avec nous, et à M. le gouverneur de la province de Stat, qui croit en notre université. Et c'est l'occasion, encore une fois, pour moi de réitérer mes félicitations pour sa nomination à la tête de cette province. Mes remerciements vont aussi à M. le président de la région Casablanca Stat, représenté ici par son vice-président Simon Cédriat, à M. le Wani de la Sûreté nationale et à M. les présidents du Conseil provincial et municipal, et en leur nom à tous les acteurs locaux et régionaux et également à tous les élus pour le grand intérêt qu'ils accordent à notre institution. Je salue fortement et avec beaucoup de fierté l'intérêt que tous les doyens et directeurs de notre université ont affiché à l'égard de ce projet. Votre implication et votre collaboration ne me laissent pas indifférent. Je vous remercie. Et c'est l'occasion pour remercier également le corps professoral et administratif de l'UNCG, qui demeure le meilleur accompagnateur et encadrant de ses étudiants. Ainsi que, bien sûr, en leur tête, M. Abdelaziz Fissouane, directeur de cette école. Quant à vous, chers étudiants, initiateurs, acteurs et principaux organisateurs de cet événement, vous avez réussi à rapprocher les différentes régions du royaume à travers une toge universitaire sportive qui a fait le tour des quatre coins de notre pays. Vous avez réussi à semer les grains d'une culture constructive et d'ouverture et un sentiment d'appartenance à l'institution qui grandiront certainement d'une génération à l'autre et je veillerai à ce que ce soit ainsi. Merci. Monsieur le Président, pour votre mot. Nous sommes aujourd'hui très heureux de pouvoir vous accueillir à la 7e édition du Congrès national du sport et du prix Moulay Hassan des grands jeux universitaires. La thématique d'aujourd'hui, le marketing sportif, un créneau en plein essor. Nous avons tenu à ce que le premier mot aujourd'hui vous appartienne à vous, Monsieur le Président de l'Université Hassan Ier, en guise de reconnaissance pour tous les efforts déployés. Merci encore à vous, monsieur, et venez l'applaudir encore. Le choix du Portugal comme invité d'honneur lors de cette édition n'est pas un hasard. Il émane, bien évidemment, d'une relation historique qu'entretient le Maroc avec notre pays voisin, le Portugal, mais aussi des relations entre l'Université Hassan Ier et l'Université d'Algarve du Portugal. C'est ainsi que je donne la parole à monsieur Guerreiro. C'est avec un très grand plaisir que je participe à cette manifestation sportive, culturelle et artistique organisée par l'École nationale de commerce et gestion de l'Université Hassan Ier et qui a le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je veux saluer chaleureusement Monsieur le ministre, Monsieur le Wali, Monsieur le gouverneur de la région de Casablanca-Setat. Et c'est une référence spéciale à mes amis, le président de l'Université Hassan Ier, le professeur Jed Zerbin, et le vice-président de cette université, Monsieur Wali. Je porte une forte salutation de la part du président de l'Université de Langarde, mon université. Et je veux aussi transmettre les salutations des étudiants de mon université qui veulent établir des relations proches avec la communauté étudiante de cette université, mais que l'intensité de la semaine académique en cours à l'Algarve reporte ce nouveau rencontre pour un autre moment qu'on attend le plus proche possible. Les relations entre nos deux universités se renforcent à travers de nombreux intéressants projets qu'on est en train de présenter en profitant de divers appels d'offres de l'Union européenne et des institutions de notre pays. On a choisi des domaines qui intéressent les principales lignes de recherche des deux institutions et on développe des mécanismes pour promouvoir la mobilité des étudiants, des professeurs et du staff technique et administratif. Nos deux pays ont des situations environnementales très pareilles, avec une recherche très intense dans les domaines de ressources en eau, de l'énergie, de la production agricole et forestière,
des ressources de la mer, du patrimoine et de l'héritage commun, mais aussi dans le numérique, l'innovation, l'entrepreneuriat et le transfert de la connaissance. Mais c'est le sport aussi un domaine très important qui peut rapprocher les jeunes des deux pays. Il faut le rappeler, le Maroc et le Portugal sont deux pays proches avec une longue histoire commune, et une distance entre nos régions incroyablement petite. De Lisbonne à Casablanca, j'ai fait hier un voyage direct de 53 minutes. C'est pour ça que nous voulons établir les relations les plus proches entre nos communautés pour profiter de nos dynamiques, de nos richesses, de notre capacité d'intervenir auprès des jeunes pour renouveler l'esprit de collaboration et de solidarité pour construire un monde d'harmonie, de tolérance, de créativité et de coopération pour une degré de croissance, de développement et d'affirmation de notre culture. Merci pour votre attention. Je vous souhaite de très bons grands jeux universitaires. Nous avons tenu à ce que le premier mot vous appartienne à vous, monsieur le président de l'université, Jean-Paul Premier. Maintenant, c'est avec un honneur incomparable que je donne la parole à mon directeur, à notre directeur, donc directeur de l'École nationale de commerce et de gestion de Stade. À vous, monsieur Stade. Bonjour, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur de la province du Stade. Monsieur le Président du Conseil Provincial, Monsieur le Président du Conseil Municipal de la Ville de Stade, Messieurs les élus parlementaires, Monsieur le Wali de la Préfecture de Stade, Monsieur le Président de l'Université Hassan Khamir, Messieurs les doyens et directeurs, Monsieur le Président du Conseil des Rolana, Messieurs les responsables des services extérieurs, chers professeurs, chers étudiants et étudiantes, honorables assistants, mesdames et messieurs. L'École nationale de commerce et de gestion de Stade de l'Université Hassan Ier est très honorée d'organiser, sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, la 7e édition du colloque national du sport et du prix Moulay Hassan des grands jeux universitaires. À cette occasion, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos invités et à nos partenaires qui ont fait le déplacement pour assister à cet événement. Mesdames et messieurs, le thème du colloque de cette année est le marketing sportif. C'est un thème d'actualité, car aujourd'hui, le sport est à la mode. Le sport a un poids médiatique considérable. Le sport a pénétré tous les secteurs de la société. On assiste depuis quelques années à de nombreux lancements de nouveaux produits en rapport avec le sport. La frontière entre des produits destinés exclusivement à la pratique sportive et les autres produits devient de plus en plus floue. On peut distinguer trois types d'entreprises selon le lien qu'elles entretiennent avec le sport. On peut citer les organisateurs d'événements ou les équipes, les diffuseurs utilisant le sport comme un contenu destiné à développer l'audience, et les annonceurs, qu'ils soient équipementiers, partenaires techniques fournissant du matériel pour les compétitions sportives ou partenaires d'image susceptibles d'être issus de tous les secteurs économiques. À côté de cet aspect commercial et le développement du marketing sportif, se pose la question de l'éthique sportive auprès des entreprises et organisations qui s'en réclament. À l'interface des enjeux marketing et des valeurs morales, trois ou quatre questions caractéristiques d'une gestion instrumentalisée de l'éthique sportive peuvent être analysées, à savoir la corruption et la gouvernance des instances internationales, et on peut citer l'exemple de la FIFA, le dopage, le détournement politique des enjeux sportifs et la responsabilité morale des sponsors. Je suppose que ces questions seront probablement abordées au cours des tables rondes qui auront lieu tout à l'heure.
On me fait signe que Madame la ministre arrive. Donc, notre école jouit d'une grande autorité à l'échelle nationale et internationale, et ses lauréats sont très sollicités par les entreprises. En effet, le taux d'insertion des diplômés avoisine les 100% grâce à la qualité de ses programmes pédagogiques, les compétences de ses enseignants-chercheurs et l'implication de son personnel administratif dans la gouvernance de l'établissement, et grâce également au soutien de la présidence de notre université et de son président, le professeur Ahmed Zimouti. Mais le CG, le STAT, devrait aussi compléter la palette de ses formations de gestion par des formations destinées aux sportifs. En effet, le CG STAT pourrait étudier la faisabilité de l'ouverture d'un master universitaire de marketing de sport en partenariat avec l'industrie du sport ou bien un master universitaire dans le domaine de management des organisations sportives au Maroc. Cette 7e édition du colloque du sport et du prix Moulay Hassan des grands jeux universitaires réunira près de 600 étudiants à qui je leur souhaite un bon séjour dans la ville de Stade. À cette occasion, je tiens à féliciter tout le personnel administratif, tous les étudiants de Stade et tous les enseignants pour leur engagement et leur implication pour atteindre cet objectif. Et d'organisation de l'association Maroc Sport pour leur dynamisme, leur participation active pour la préparation de cet événement, sachant très bien qu'ils sont à la veille des examens. Je voudrais remercier tous nos partenaires. Je voudrais aussi vous dire que le CG de Stade forme d'excellents lauréats dans le domaine de la gestion et du commerce, mais nous sommes très heureux qu'on a aussi des champions, des étudiants, des champions sportifs. Et parmi, je cite deux personnes, je cite mademoiselle Sihan Zouhairi, qui est... Je vous souhaite un grand succès à ce colloque et merci pour votre attention. Parmi nous, Madame la ministre déléguée de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, qui, malgré un agenda très serré, a tenu à répondre présente aujourd'hui, témoignant ainsi du soutien permanent. Merci Madame, à vous le mot. حضرات السيدات والسادة أعزائي وأبنائي الطلبة والطالبات، يسرني أن أشارك معكم اليوم في الدورة السابعة والنسخة السابعة لإطلاق المؤتمر الوطني للرياضة. ولا شك أن هذه المناسبة أولا لتجديد التحية لكل من قام على هذه المبادرة ويعني ساهم في إخراجها، والشكر كذلك لباقي الضيوف الذين حضروا لمساندة الحياة أو الرياضة في الجامعة المغربية. اليوم الدورة السابعة مدعاة لمزيد من التفكير في تطوير هذا المؤتمر، فلا شك أن التراكم الذي تحقق خلال الدورة السابعة يدعونا إلى مزيد من تطوير هذه المبادرة لتكون فعلا في مستوى المتطلبات والتحديات التي تعرفها يعني والتي نحتاجها في المجال الرياضي، على اعتبار أن اليوم لا يمكن فقط الاكتفاء بالتحصيل الدراسي والعلمي. صحيح التحصيل الدراسي والعلمي مهم ومهم جدا في مسار الحياة الطلابية، ولكن كذلك المجال الرياضي وباقي المجالات الأخرى المرتبطة بالثقافة والفن والتي تجعلها
القحطاني منفتح على واقعه الاجتماعي، منفتح على محيطه الاقتصادي والاجتماعي. لا شك انها تجعل من الطالب في مستوى النموذج الذي نريده في لخدمه هذا الوطن. اذا قلت ان الدوره السابقه هي الشرط على نجاح هذا المؤتمر وعلى استمراريته وعلى ضروره تطويره ليكون يعني في المستقبل في مستوى الرهانات. كذلك اليوم هذا المؤتمر والذي سبق لنا في الوزاره استقبلنا مجموعه من طلبه هذه المدرسه، يعني خروج كبير من هذه المدرسه، استقبلناهم في اطار شعله جائزه المولى الحسن. هذه الجائزه لا شك ان استقبال الطلبه في مقر وزاره الوزاره وكانت مناسبه لتاكيد مره اخرى على اهميه الجد واهميه التحصيل الدراسي وكذلك على اهميه هذه المدارس. فاليوم مدارس الوطنيه، مدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير لمدرستكم هنا في ستار هي جزء من هذه الشبكه الوطنيه اللي الحمد لله منذ وحدتها تبينت الحاجه اليها وتبينت اهميتها وتبينت كذلك الحاجه اليها والخصاص الموجود في التخصصات التي تعطيه. اننا اليوم نحتاج فعلا في المغرب الى شباب منخرط في المجال الرياضي، الى شباب جامعي منخرط في المجال الرياضي، ولهذا تلاحظون وتتتبعون يعني المبادرات التي تقوم بها وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر من اجل خدمه هذا الهدف الذي نعتبره هدفا ساميا، وذلك من خلال ترأس الجامعه الملكيه للرياضه، الجامعه الملكيه المغربيه للرياضه الجامعيه، وتقديم الدعم لهذه الجامعه من اجل خدمه قضايا مرتبطه بالرياضه في الجامعه المغربيه. قلت ان اليوم البعد الدبلوماسي اصبح حاضرا في الفعل الرياضي وفي النشاط الرياضي، كذلك لا يمكن ان ننسى وان نغفل دور الرياضه بمختلف تجلياتها في التهذيب وفي التربيه وفي غرس قيم نبيله. اليوم نحن في اشد الحاجه اليها ليكون فعلا لدينا شباب منخرط في بناء الوطن. فالشباب المغربي الذي تتاح له فرصه الالتحاق بالجامعه، اليوم احنا كنتكلم في الجامعه على تقريبا 800,000 طالب على المستوى الوطني، هنا باحتساب التعليم العالي العمومي والتعليم العالي الخاص.